attention, il est important de respecter le code de la route afin de garantir votre sécurité ainsi que celle des autres conducteurs. Ne pas reproduire les actions qui vont suivre chez vous. Et bien sûr, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Merci Mamen. Hey Lolo ! Hey les bolos ! Ils m'ont roulé sur le yep, Mamen ! Je te jure, ils m'ont roulé sur le yep, y'avait là ! Et mec, y'avait la voiture sur mon pied, mon gars ! Ah ouais, trop lourd ! On se casse avec les caméras, mon frère. Et j'étais peu près pour la week cosmique, mon gars ! Yo, l'ami, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le deuxième épisode de Dans la Cova. Je suis avec mon gars Nico de Boscapé. Effectivement, je suis avec mon gars Tonio. Cette fois-ci, c'est un hors-série qu'on vous présente. La première fois, vous nous avez vus avec les dégâts. Cette fois-ci, on se retrouve pour écouter un album en exclusivité de Lorenzo, ici présent. Album qui s'appelle Rien à branler. Il en a rien à branler. M'amène Lolo dans les bacs, tu le sais, bientôt on arrive. Peu de choses à dire. Juste l'album, c'est une grande douceur, m'amène. Et les morceaux seront disponibles, bien évidemment, dans la Bouska Bangers et dans la Bouska Hits. Disponibles sur Apple Music, Spotify, Deezer et Napster. Lorenzo, c'est toi qui vas faire le choix, c'est toi qui vas nous donner les morceaux à mettre dans nos playlists. Je conseillerais personnellement de mettre tout mon album dans ta playlist. Lorenzo, pour ceux qui connaissent pas, c'est un artiste multifacette, ça peut le voir sur YouTube, dans le rap, comédien, le mec il est partout. Tout part, même. Rico, ouais, là tu sais, je faisais une interview pour Scapé. Là, je suis en caisse, je suis pas très loin de chez Watt. Est-ce que t'as moyen d'aller choper des bières en scred? Ah, tu casses tes couilles, vas-y. Non, non, mais tu sais, tu vas chez le paquet, chez qui il fait crédit là. Tu prends un petit pack d'un Incan et tu m'appelles. Vas-y, vas-y, t'inquiète. Vas-y, on vient te choper, gros. Tu dois savoir où il est. Mais tu peux pas le louper, c'est un mec avec une tête de con et fait un bob violet. Non, non, on va mettre un truc calé avant que le poteau Rico arrive. En limousine, je gère les créneaux. Étoile filante au lancer de mes gants. Viens, on s'en bat les couilles, la promo d'album, il y a quoi? Il va être incroyable, c'est sûr. C'est parti. C'est parti. Mal, tranquille, poteau ou quoi? Ouais, non, ou quoi, gros? Poteau Rico, ça va ou quoi? Je sais même pas vu en plus ça encore. Ça fait plaisir. Je vous ai écouté, ouais, mon gars. Ah ouais, c'est lourd. Je t'attendais pour mettre de bonnes gammes. J'avais dit là, cette petite ambiance pour les miss un peu. Elle me dit qu'il se fait tard et qu'elle habite à tes cours. Je vais me faire péter là. Vas-y, poteau, si tu veux. Je vais voir le lot. Ouais, mon gars. Mais je vais t'en mettre un autre, mon gars. T'es peu près. Attends, j'ai pas payé mon abonnement là. Ah, y'a Bouygues qui casse les couilles. Attends, un peu de tabac quand même. Hein? Mets un peu de tabac. Big up à Columbine, gros bisou sur les fesses de l'UJP quand même. Je vois dans ses yeux qu'elle a pris ce genre. Elle me touche la bite, je crois que je suis son genre. Elle a ce genre de. Ce genre de. Devant les forces de l'ordre. Ce genre sans gêne pour faire mauvais genre. Tu prends ce genre, mais c'est pas médical. Si je roule ce genre, moi c'est pour méditer. Je mets pas mes coudes, mais mes pieds sur la table. Ça commence ce genre, finit par s'accoupler. Ça c'était ce genre. Ça c'est ce genre, même. Et le retour aux sources un petit peu, t'as vu, c'est genre Columbine, c'est la mif. Par quoi tout ça, ça a commencé? Par la coque. Ouais. À la base, tu vois, on faisait nos sous tranquille avec Rico. Et un jour, tu vois, on aimait bien le rap vite fait. Il y a quelques times, il avait commencé, on va dire, quand il fabriquait des substances un peu illicites, un peu cocasses. Il commence à faire ce genre de mélange et qu'est-ce qu'il obtient? La coque, mon gars. On a fait, il faut tester l'engin. Moi, j'ai pris le truc et tout, c'était Rico Café, donc t'imagines un peu les dosages. Et là, mon gars, on commence à rentrer en transe. Et là, on tape deep beat sur YouTube, tu vois. Et là, l'instru qui tabasse dans mon cerveau. Et là, je commence à sortir des dingueries. Le freestyle du sol, du coup. On a record, ça fait freestyle du sol. Hein. Attendez, on va peut-être se mettre un truc un peu plus énervé. Timo Cassa, champagne et pétou. J'aime pas les flics, sont des ribous. Des lingots, cheat pour mes zoulous. Pour le sexe à l'air comme Kirikou. Non, mais les lingots, c'est trop cool. Tu te demandes si le luxe a un goût. Wow. Mais moi j'avais oublié qu'il était aussi lourd le son. Je crois que je vais dire ça à tous les sons, mais ça aussi c'est un hit, ma mère. Ah là tu te demandes un peu, tu te dis ce que c'est. J'ai le déhanché élevé, vraiment siphonné de la cervelle. Mon meilleur client c'était Jean-Luc Delarue. J'ai le déhanché élevé, j'empile les deux. J'ai mis de la bière partout, mon cher. Attends, y'a de la bière sur mon téléphone partout. Yo, filme pas, je vais te donner tiens. Eh, hey, filme ça dans la main. Vas-y, va, tiens-moi ça. Un petit carton, mon cher. Allez, petit carton, c'est l'avenir qui le.
c'est pas une vraie soirée si ça finit pas en bagarre. J'ai que poté des culs, il faut une camisole. Ça classe, ça, ça carton rouge. J'tire un coup fort sur son boule. Bah les couilles, 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 des coups de vite fait. 60 me font retourner, l'entraîneuse veut me recruter. J'ai fait le petit refrain là, je me suis dit tranquille, ça fait un collet serré là-dessus, tu vois. Ah, tu vois ce que je veux dire? Je suis là pour parler à peut-être plus, ça c'est qu'ils sont là quand on vient de trémousser leur petit derrière, ma mère. Quand t'as eu ta goût, tu la f***es fort, écoute okay, ça. Tu la f***es fort. Attends, parce que moi je veux quand même vous raconter une histoire. À la base, je devais pas sortir ça en premier, tu vois là. Okay. Il fallait rendre le truc, c'est en Spotify, je sais pas quoi, il faut donner les sons avant. Moi je regarde sur mon ordi, frère, et là je vois, y'a que le son là. Et les autres. Je sais même pas si c'était le dernier master, le dernier mix ou quoi, j'en vois. Rico, il arrive. Il s'est installé fort avec mon gars. Heureusement, après, j'ai rappelé mon pote Zarma, c'est un mec avec qui j'ai record. Et heureusement, il avait une copie sur une clé USB qui était chez sa mère. Donc, les gars, c'est parti, Lorenzo. T'as 20 secondes pour l'instant promo. C'est plus fort, mon gars. Ma mère, là, tu sais pas encore, toi. Mais c'est ce genre d'album français, mon mène, qui débarque. C'est pas seulement une mixtape ou un album de passage, ma mène. Non, ça va être ce genre de classique. Et ouais. Moi, je peux te dire que quand t'auras 40 ans, mon pote, tu feras écouter ça à tes enfants et tu me diras, à mon époque, ma mène, c'est ça qu'on écoutait. C'est ça, j'ai rien d'autre à dire, ma mène. La douceur, le plaisir et la qualité. Les rageux, allez vous faire. Ça, c'est de l'instant promo, ça. Si j'avais touché le pouls du mec, il n'y aurait pas eu de palpitation, ma mène. Terminé. Terminé. Peut-être là sur la route, tu vas faire un petit détour. On va te dire un moment de tourner à droite juste pour que Rico puisse filer la marchandise, la substance et un frangin. Tu vois, on n'en dit pas plus. Il t'appelle là. Ouais. Rico. Ouais, c'est moi. Je voulais savoir. Ouais, t'inquiète, t'en dis pas plus. T'es où? Je suis pas loin. Ok, j'arrive, t'inquiète, j'arrive. Je sais pas où il est, mais dépose-moi dès que tu vois un queue, mes chelous. Vas-y. Ah mais il est là-bas. Tu lui dis donne l'argent d'abord. La marchandise est dans la caisse. Ouais. Tu reviens. Ouais. Et cool. Moi je dis ok mais strass. Ah viens ça. Vas-y cool. A few moments later. Vas-y trace mon gars. Vas-y démarre. Encore un qui va fumer ses doigts putain. Là on va partir sur des exclus, ça vous dit non? Ça s'appelle bizarre ma mère. Bizarre. Et tu vois ce qui me définit le mieux. Elle manque le sang. Attends, je vous mets une petite douceur, ça c'est douceur du matin. Yes. Ça s'appelle business, ça parle de showbiz, j'ai laissé. Les rêves sont durs à réaliser, je m'en fous, je suis insomniaque. Je me tromperai peut-être de route, s'il y a à quoi dans la caisse. Je suis dans le biz, tout pour le business. On fait des sous tranquilles ou en fumant dans mon business. Tout est calibré, carré, préparé pour le business. Je suis dans le biz, tout pour le business. Sérieusement, ah, moi c'est toujours les mêmes, amen. Un petit mat caliente. Et ce que j'aime, c'est les filles quand même qui ont les cheveux bouclés bruns. Si elle peut avoir un petit accent espagnol ou un petit truc derrière, ça me. On n'a pas besoin de parler non plus quand on fait l'amour. Mon atelier, elle est très bavarde. Yo, l'ami, vous êtes toujours là. Là, c'est le moment de la 51ème dans la Bouska Banger et la Bouska Hit. Il y a 50 morceaux. Ça, à Lorenzo choisir le 51ème morceau, n'importe lequel. Qui n'est pas de toi. Un banger, j'en ai un, ma mène. Ça nous vient du Québec. Il s'appelle Les Anticipateurs. Le son, il s'appelle Plancher. C'est pépite. J'étais sur le bloc mais j'ai vu choper des avales. J'ai mis des fruits exotiques dans un rhum qui est ma salle. Bon appétit, j'ai partagé. C'était du sale mon pote. Pour un petit, je vais détendre la France ma mène. On va se taper un petit Joel mon pote. Va falloir passer à l'armurerie mon gars, j'ai cassé le béton tu vois. Un petit de Joel, elle s'appelle J'ai pensé. Big up à toi Julien, je pense à Watt. J'ai pensé au taf quand son volume va recouler. J'ai pensé au mal, ouais, je me suis vu cagouler. Ça balance quand les flics m'ont dit leur faute avouée. Je suis comme ça, mon gars. Je la comprends pas. Je n'en parle pas. Elle dit ça, ça, mon gars. Hé, Lolo, sans ça. Mais moi, j'ai goûté. C'est la dernière séquence de Dans la Gova avec Lorenzo, rien à branler qui sera disponible tout à l'heure. Tu lâches un petit freestyle ou quoi là? Je vais te faire un classique, je pense que je vais te faire le freestyle du sale mon pote. Lorenzo, débarque toute la merde, on s'accache la baraque, on va fumer votre air. Briquet devant mon cul, je crache le feu comme un dragon. On a pimpé ta meuf sous des fesses, c'est des léons. J'ai niqué la sœur de la merde de ta conduite. J'ai niqué la sœur de la merde de ta conduite. J'ai écrit l'album et record dans deux semaines. Ça, bim, bim.
bien, on se la refait direct. Bah, mais tu crois que c'était à toi, je te la remets direct. Lorenzo, débarque toute la merde, on saccage la baraque, on va fumer votre air. J'ai niqué la sœur de la mère de ta cousine. J'ai niqué la sœur de la mère de ta cousine. Elle veut manger mon foot, j'aime les fonds de bête. Et deux, on va Ils m'ont roulé sur l'œil à pas, man. Je te jure, ils m'ont roulé sur l'œil à pied. Il y avait la voiture sur mon pied, mon gars. Ah ouais, trop lourd. On se casse avec les caméras, mon frère. Et j'étais peu près pour la week cosmique, mon gars. Voilà l'équipe, c'était le deuxième épisode de Dans la Gova. Comme vous avez pu le voir, les mecs sont partis avec nos caméras. Tonio. Ouais, gros, j'en ai rien là. L'album Rien à branler, dans quelques heures, disponible sur toutes les plateformes. Et bien évidemment, les morceaux que vous avez entendus seront disponibles sur la Bouska Bangers et la Bouska Hit. Disponible sur quelle plateforme, Tonio? Spotify, Deezer, Apple Music et Napster. Abonnez-vous maintenant, c'était l'épisode 2 Dans la Gova. Lorenzo, Rien à branler.